Rebonjour, toujours en direct du Palais de la Méditerranée à Nice pour le Transition Forum. On a beaucoup parlé d'innovation depuis ce matin à travers les keynotes aspirantes que l'on vient d'écouter, puis à travers les tables rondes. Et on va aborder un sujet qui est presque un sujet philosophique, qui est « Faut-il désinnover pour réussir la transition écologique ?» Et avec nous, pour en parler, quatre intervenants dont on va dire celui qui nous a inspiré le sujet, c'est Diego Landivar. Bonjour, vous êtes en direct de Clermont. Ferrand. Bonjour. Bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Vous êtes enseignant-chercheur en économie, donc au groupe ESC à Clermont-Ferrand. Vous avez signé une tribune dans Le Monde avec deux autres chercheurs sur, en appelant même à la désinnovation. On va voir ce qui se cache derrière ce terme. Et pour en débattre avec vous, parce que je pense que le sujet porte à débat, Chantal Emeoud, vous êtes maire d'Embrun et présidente de communauté d'agglomération également, et également vice-présidente de la région Sud. Corinne Bernardo, vous êtes cofondatrice de Le Loutre Industrie, une PMI qui est installée sur le territoire azuréen. Et Bernard Klenoff, donc, vice-président notamment chargé de l'industrie et de l'innovation. Ah, je ne suis pas vice-président. Vous êtes président de commission, exact. Attention. Mais surtout, vous êtes en charge également, vous êtes président, là, hein, vous êtes bien président de Rising Sud. L'Agence de développement économique. Première question, mais elle va assez naturellement vers vous, Diego Landivar. Ça veut dire quoi, désinnover ? Bah, tout simplement, désinnover, c'est un petit peu déconstruire le mythe. C'est d'abord déconstruire le mythe qui considère à croire que l'innovation technique, technologique, va répondre à tous les problèmes climatiques et écologiques. Et ensuite, d'appeler à un nouvel horizon technique, méthodologique, politique, bien évidemment, et qui est celui d'un arbre de l'arbitrage, du renoncement, et qui appelle en fait les organisations publiques et privées pour justement mettre en place des protocoles, si possible démocratiques, pour décider ce à quoi on tient, qu'est-ce qui est essentiel dans nos vies, dans nos modèles de développement, et ce à quoi on est prêt à renoncer pour justement être dans les clous des enjeux climatiques et des engagements que l'on a pris à l'accord de Paris. Merci pour la définition. Corinne Bernardo, quand on est dans l'industrie, quand on est même dans l'industrie 4.0, où on pousse à l'innovation, à investir dans des machines qui consomment moins, qui permettent d'être plus efficaces, quand vous entendez ce que vient de dire Diego Landivar, ça vous inspire quoi ? La difficulté, ça va être toujours d'arbitrer et de renoncer aux choses qui sont, ou aux engagements qui vont effectivement, dans les prochaines années, contribuer à notre réduction carbone. Mais pour autant, on a des structures qui existent, on a des métiers, on a des compétences et on a un outil de travail. Et les orientations qu'on va prendre dans les prochaines années vont être déterminantes, certes, pour l'environnement, mais aussi pour toutes les ressources locales, l'emploi en particulier. Et puis encore ces métiers qui sont cruciaux. Nous, on est sous-traitants locaux. On travaille depuis toujours sur des circuits courts, puisqu'on est sous-traitants pour des donneurs d'ordre régionaux en particulier. Donc vous fabriquez en fonction de la demande. Exactement. C'est ce qu'on doit entendre. Voilà, et on favorise, si vous voulez, les relations locales du fait de nos métiers qui sont très proches des filières, on va dire, aujourd'hui stratégiques au niveau de la défense ou de l'aéronautique ou du médical. Et on est obligé de composer en permanence quand on fait un choix d'investissement. Justement, on a eu la chance de bénéficier du soutien de la région récemment pour renouveler notre appareil de production. Mais pour autant, effectivement, on va s'orienter vers des choix qui vont être moins énergivores, qui vont être peut-être plus productifs, qui vont allier qualité, productivité et décarbonation. Mais on reste quand même dans une logique d'innovation technologique qui est indispensable pour qu'on soit toujours présent et qu'on maintienne les emplois qu'il y a dans notre structure. Chantal Emeoud, j'entendais Diego qui disait qu'il faut choisir, il faut avoir un choix décisif qui soit collégial. Hein, si je ne me trompe pas, c'est un peu le sens de ce que vous disiez. Quand on est maire et puis président d'une communauté d'agglomération, c'est quelque chose que vous faites déjà peut-être ?
Alors, quand on a évoqué le sujet de la désinnovation pour l'intervention d'aujourd'hui, j'ai essayé de réfléchir un peu au sujet, même si on n'est pas spécialiste de ces choses-là. Et je me suis dit que notre monde n'était évidemment pas parfait et que sans créativité, sans imagination, sans innovation, la vie serait particulièrement triste, y compris l'évolution de notre société et son adaptation. Mais moi, je suis par tempérament assez nuancée. J'essaie de faire la part des choses et je dirais que la notion de désinnovation, elle ne peut pas s'envisager si on la met pas en perspective avec la notion d'innovation. Il faut être prudent, donc à la fois avec les innovations, mais également avec la notion de désinnovation, parce qu'il y a incontestablement des innovations qui sont très bonnes innovations, et quand elles sont bonnes, il faut y aller plein pot, il faut évidemment pas s'en priver, parce que ces innovations, elles vont permettre globalement un mieux vivre ensemble, une évolution à tout niveau, sur le plan économique, sur le plan écologique, sur le plan social, bien évidemment. Mais si d'aventure nous nous apercevons que le temps passant, les choses qui ont été décidées il y a quelques années ne sont plus adaptées, à ce moment-là, il ne faut pas rester dans une position dogmatique, mais il faut être en capacité de se remettre en question et pourquoi pas mettre un terme à ce qui avait été envisagé. Donc je n'irai pas vers une désinnovation pure et dure parce qu'elle n'a pas de sens en soi. En même temps, je pense qu'il faut qu'on soit prudent aussi, et on a vu parfois que certaines innovations pouvaient avoir des conséquences, je pense sur le plan de la santé, qui n'étaient pas celles qu'on attendait et qui bien évidemment nous amènent à réfléchir. Mais pour l'élu que je suis, moi je suis dans un territoire alpin où la commune d'Embrun a été la première commune de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur à créer une chaufferie publique bois. Une grosse chaufferie. Aujourd'hui, on en a fait trois avec plus de 100 km de réseau de chaleur. Ça fonctionne très bien. Et j'ai pu constater que dans le domaine de la filière bois précisément, le fait que nous puissions, et on a aujourd'hui sur le territoire dans lequel je suis, la maîtrise totale de la filière bois, puisqu'on va récupérer les bois dans les forêts voisines, et la récupération de ces bois a une action positive dans le domaine de l'écologie et de la biodiversité. Nous les déchiquetons et nous les donc ce bois déchiqueté permet d'alimenter des grosses chaudières qui elles-mêmes alimentent en chauffage toute une série de à la fois de bâtiments publics et de logements collectifs. Nous nous sommes aperçus depuis une quinzaine d'années que les innovations techniques, elles ont permis globalement de faire en sorte qu'aujourd'hui les fumées qui sont dégagées des cheminées, c'est de la vapeur d'eau en quasi-totalité, alors qu'au début ça n'était pas ça et qu'on était critiqué par rapport à ça. Enfin, une dernière remarque, l'innovation, ça n'est pas seulement la technologie, c'est aussi une démarche. Le fait de s'engager dans une démarche d'innovation, un exemple concret. J'ai sur mon territoire un plan d'eau dans lequel il y a un développement d'algues que nous avions énormément de difficultés à traiter. On a acheté un bateau focardeur, ça fait du bruit, ça prend du temps, ça passe de l'énergie. Bref, on a essayé de trouver une autre solution et finalement, avec la Fédération départementale de pêche et un réseau national, on a décidé de mettre dans ce plan d'eau assez grand des carpes qui s'appellent des carpes amour. Elles ont un bien joli nom, ces carpes. Elles sont des carpes chinoises qui sont végétariennes, qui ne se reproduisent pas et qui broutent les algues. Elles ont une durée de vie assez longue et finalement, cette démarche d'innovation nous a permis de trouver une solution naturelle qui a aujourd'hui tout son sens. Donc, une fois de plus, les innovations, elles participent aussi incontestablement à la stabilité des territoires et aux innovations, et c'est dans les territoires qu'on le constate. Mais en fait, tout dépend de ce que l'on met derrière le terme innovation. Diego voulait peut-être répondre à nos deux intervenantes, avant que je donne la parole à Bernard Klenoff. Ah, on ne vous entend pas. Vous n'entendez pas, je suis là pourtant. On vous entend, okay. C'est bon.
Non, tout simplement pour dire qu'effectivement, le réflexe qui est le nôtre et qui est le paradigme dominant à la fois effectivement des élus, mais aussi du monde de l'entreprise, du monde des administrations, c'est de considérer que effectivement notre régime de développement, nos modes de production, de consommation sont sacrés et qu'effectivement il faut faire en sorte que tous nos équipements énergétiques puissent transitionner pour pouvoir maintenir ce régime de développement. Et ça, c'est un peu le pari que l'on fait, sauf que nous, quand on va dans les terrains, que ce soit effectivement dans les montagnes, par exemple dans les stations de ski, que ce soit dans les équipements sportifs, dans les territoires, etc., on se rend compte que quand vous verdissez, donc quand vous améliorez la consommation énergétique de ces différents équipements, vous allez arriver à améliorer la consommation énergétique ou de flux, etc., de 10-15%, mais qu'ensuite vous êtes à un plafond de verre et que vous ne pouvez pas aller au-delà de cette efficience-là. Et donc, tout ça pour dire que simplement, il y a quelque chose que les sociétés aujourd'hui n'arrivent pas à concevoir, c'est le fait de renoncer à des choses. Et c'est un peu le paradigme justement de beaucoup d'élus territoriaux en France, c'est de favoriser l'attractivité coûte que coûte, la compétitivité du territoire, et qui font que chaque mairie va essayer d'avoir son propre stade, d'avoir le plus d'équipements nautiques possible, des patinoires, des gymnases en voiture, en voilà, etc. Donc des équipements qui sont fabuleux, géniaux, mais en même temps, ce sont les équipements qui génèrent le plus d'impact sur la biodiversité, sur les émissions de CO2, sur la consommation énergétique, etc. Nous, ce qu'on a observé, par exemple, lorsque les piscines municipales, vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de piscines municipales qui tombent un petit peu en désuétude parce que elles ont été bâties il y a 50 ans et très mal bâties. Et donc aujourd'hui, il y a deux options, soit on les reconstruit, soit on les ferme. Et tous les territoires sont aujourd'hui lancés dans une course frénétique à la reconstruction en disant que les nouvelles piscines vont consommer moins d'eau, moins d'énergie, etc., ce qui est vrai sur le papier. Mais en fait, à chaque fois, on va annexer à ces piscines des usages supplémentaires, des jacuzzis, des jeux pour enfants et des toboggans, etc. Et donc, au final, aujourd'hui, les nouvelles piscines, ça c'est concret, c'est très concret, consomment 1,5 à 2 fois plus que les anciennes piscines qui étaient censées être très mauvaises en termes d'isolation, de consommation énergétique, etc., etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle en ingénierie écologique un effet rebond, c'est-à-dire on améliore la technologie et ça, il n'y a aucun doute, les technologies vont toujours comme la 5G. La 5G améliore la consommation énergétique des batteries à la marge, donc la technologie est plus efficiente, mais en même temps, elle dé fait décupler les usages. Donc tout le monde va pouvoir regarder de la vidéo HD à chaque instant, en tout temps et en tout lieu, partout dans la planète. Et donc au final, en termes de quantité, d'échelle, la consommation énergétique va augmenter. Et ça, à peu près tous les rapports qui étudient sérieusement la question prospective de la 5G sont d'accord là-dessus. Donc c'est ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une situation où il faut faire des arbitrages. Et ça, ces arbitrages demandent un nouveau courage, une nouvelle conception de la politique publique qui n'est plus une conception de, on va dire, pour résumer, de l'inaugurite aiguë, c'est-à-dire inaugurer des grands projets, des grands projets technologiques, des grandes innovations intensives, etc. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas être créatif et inventif, justement. Mais justement, c'est ça qu'il faut penser aujourd'hui. C'est une politique créative, joyeuse, mais qui assume le fait qu'il va falloir faire des arbitrages et, dans certains cas, certains renoncements. Bernard Kreiner, vous êtes prêt à porter une politique joyeuse et créative? Non, moi, je suis prêt à porter une politique pour qu'on vive dans des territoires aimables, ce qui va au-delà de cela. Mais je voudrais revenir sur le début de la présentation qui a été faite, si je peux. Bien sûr. On a parlé des innovations techniques et technologiques, et puis on a parlé de renoncement. Des innovations techniques et technologiques, puis renoncement, ça ressemble étrangement à la décroissance. Alors clairement, la décroissance, ce n'est pas notre culture, en tout cas pour les politiques que je porte au niveau du Conseil régional. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a un élément sur lequel je rejoins notre professeur-chercheur, c'est que les arbitrages qu'il propose et qui sont certainement nécessaires, c'est qu'on doit les faire avec le plus grand nombre. Aujourd'hui, on n'est pas dans une phase de suffisamment de consultations qui doit venir après
une phase d'explication. Aujourd'hui, on propose très souvent du développement dit durable plus ou moins punitif. Moi, je suis plutôt porté sur, au contraire, si on veut s'améliorer, on a besoin d'encore plus d'innovation technique et technologique que l'on doit accompagner d'explications et que l'on doit accompagner également d'innovations que je vais qualifier de sociétales, c'est un peu ce que disait Chantal. Et puis, il faudrait qu'on sache quelles sont les attentes réelles de nos populations. On a aujourd'hui un tas d'informations qui nous disent il faut faire ci, il faut faire ça, il ne faut pas inaugurer telle piscine ou il ne faut pas la reconstruire. Moi, je veux bien, mais ce sont des critères qui sont présentés par des dépensifs, deux, trois sachants, nous disent il faut faire ça. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord sur la démarche. Moi, je suis d'accord pour qu'on réinvente la façon d'innover en prenant en compte des éléments constants et permanents, au premier rang desquels c'est l'intérêt général, et qu'on demande aux populations, mais c'est ce qui se passe normalement dans des élections, par rapport à un programme, ce dont elles veulent disposer. Alors bien sûr, et je suis d'accord, un stade dans chaque ville et village, une médiathèque, une bibliothèque, un cinéma, c'est pas possible. On a besoin, et je pense que les intercos peuvent aussi servir à ça, de mutualiser certaines choses pour que, au-delà de la performance technique que vous évoquiez qu'on atteint, on atteigne aussi une performance globale qui nous permet de dire, ben, sur ce bassin de population, on a besoin d'une piscine, on n'a pas besoin de quatre piscines. Là, je suis tout à fait d'accord. Mais on a besoin d'innover sur ce côté explication et sociétale des choses pour que la population, les populations, nous disent ce dont elles ont envie et ce qu'elles souhaitent pour leur avenir, indépendamment de certaines démarches qui sont plus ou moins démocratiques, je vais dire, même si on a la chance de vivre dans un certain contexte, mais dans un grand pays démocratique. Alors, on nous explique les élections, il n'y a pas assez de participation, mais on n'a empêché personne de voter. Et je pense que les directives que nous donnent les populations qui votent sont celles que les élus, au premier rang desquels les maires et les présidents d'Enderco, sont en charge de suivre. Maintenant, sur de l'innovation technique et technologique, on a aussi besoin d'implanter de nouvelles entreprises sur nos territoires et on a besoin d'innovation technique et technologique pour que des gens, à partir de déchets de canne à sucre, soient capables de nous inventer d'une part des biocarburants, mais aussi des biosolvants que l'on peut continuer à utiliser de manière standard, que d'autres, à partir de déchets agricoles, soient capables de nous inventer des produits dont certains serviront à faire du carburant pour nos avions. Et là, je ne parle pas de rêve ou d'imagination en l'air, je parle simplement de sujets sur lesquels travaille Rising Sud actuellement pour attirer ces deux grandes entreprises sur notre territoire régional. Et puis le dernier élément, c'est que moi, plutôt que de demander aux jeunes et à nos enfants de ne pas rêver à l'aéronautique, et je le dis sous le regard attendri du président de notre directoire de l'aéroport, je préférerais qu'on leur propose de rêver à des avions électriques, à des avions peut-être à hydrogène, si l'hydrogène est la réelle solution de la chose, et puis qu'on démontre, comme ça a été fait par d'autres, qu'on peut faire le tour du monde en avion sans consommer une goutte de carburant, simplement avec un avion solaire. C'est vrai, il n'y avait pas beaucoup de passagers. Mais enfin, je pense que si on ne continue pas à innover, on n'arrivera pas à faire des avions. Et tout à l'heure, nous avons un vol qui vient de Paris, me semble-t-il, Franck. Demain. C'est demain, avec des biocarburants. Bon, je pense que l'innovation technique et technologique, on en a besoin, mais on a besoin de réinventer la manière dont on innove pour qu'elle soit utilisée aux bonnes fins, c'est-à-dire que le bilan global soit positif et non pas comme vous l'avez expliqué avec les piscines, et je suis d'accord avec vous, qu'on ait un bilan qui finalement est négatif. Peut-être Chantal et Méhoud, vous voulez réagir à ce qu'a dit Diego Landivar précédemment, et puis après... J'aurais une question pour Diego Landivar. Oui, merci. Monsieur évoquait le fait que, au niveau des collectivités, c'est un peu la course à l'échalote pour inaugurer, faire toujours plus, ce qui parfois peut être vrai. En tout cas, une époque a pu être vrai. Je pense qu'aujourd'hui, tous les élus ont les yeux un peu rivés sur les compteurs parce qu'il faut financer les projets, que c'est de l'argent public et que l'argent public se fait de plus en plus rare. Mais je voulais vous donner l'exemple d'un sujet sur lequel nous
nous avons renoncé à financer un projet qui nous paraissait en tout cas inadapté dans une petite station d'un des départements de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, une petite station qui est parfois enneigée, qui parfois ne l'est pas. Qui n'est pas doté de réseau d'enneigement artificiel aujourd'hui, qui a 2-3 remontées mécaniques. Nous avions une demande au moment où nous avons lancé lors de la mandature précédente le plan montagne proposait aux stations de montagne de bénéficier de financement de la région pour se moderniser, pour diversifier également leurs activités. Nous avons été prudents parce que cette station-là demandait un peu plus d'un million d'euros à la région pour financer ce qui nous a paru être une opération totalement aberrante en termes de dépenses publiques parce que c'était inadapté. Alors évidemment, ça nous a valu donc la foudre un peu des élus locaux parce qu'ils ne partageaient pas notre avis, mais on l'a fait, on a choisi et on n'est pas allé dans ce financement. Donc ça pour vous dire que dans tous les programmes d'investissement public, que ce soit au niveau de la région, que ce soit au niveau de nos communes ou de nos intercommunalités, aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous engager si on n'a pas globalement le recul nécessaire et la concertation avec nos concitoyens nous permettant d'être sûrs de faire la bonne dépense publique. Et je pense que la très grande majorité des élus sont des gens responsables, on a la tête sur les épaules, on fait attention, on a des comptes à rendre et on souhaite que, en conscience, l'action que l'on mène, elle soit la plus adaptée, d'une part, à notre société, en termes de volonté d'économie d'énergie, d'évolution de notre société, bien évidemment, mais concernant l'innovation, précisément, dans le cadre de cette réflexion globale, l'innovation, elle a tout son sens et il est vraiment très important qu'on puisse continuer. Ça n'empêche pas de renoncer à certains projets quand ils s'avèrent décalés, beaucoup trop dispendieux, c'est certain, et là-dessus, je vous rejoins, mais en tout cas, on ne peut le faire que si et seulement si on est dans une logique globale de développement d'un territoire. Finalement, ce que vous entendez, Diego Landivar, ça va quand même assez dans votre sens. Finalement, est-ce qu'il y a une mauvaise et une bonne innovation ? Mais souvent, c'est le cas. L'objectif, ce n'est pas d'appeler à ne pas innover. Encore une fois, c'est ce que j'ai dit. C'est tout simplement qu'il faut essayer de déconstruire l'idée que l'innovation, c'est le point central de la résolution de tous nos problèmes. Et moi, je suis plutôt effectivement en ligne avec ce qui vient d'être dit. Si effectivement, aujourd'hui, on est prêt à prendre nos responsabilités très concrètes face à l'urgence climatique, parce que je pense qu'il faut quand même rappeler l'immense et absolu immense chemin qui nous sépare des engagements d'ici à 2030, parce que le gros de l'enjeu, c'est d'ici à 2030. Et ce qui veut dire que si on est prêt à faire ces renoncements, il faut déjà commencer par des renoncements très concrets à des futurs obsolètes, c'est-à-dire des choses qu'on sait déjà qui sont complètement obsolètes. Typiquement, par exemple, on travaille avec les élus qui ont renoncé au nouveau terminal de Roissy. Et je pense que beaucoup de régions, et je sais que notamment la région notamment de Nice, a eu cette controverse et cette problématique-là. Effectivement, aujourd'hui, est-ce que le problème est de savoir comment maintenir coûte que coûte un tourisme de masse qui vient par des hypothétiques avions à hydrogène ou avec des biocarburants, comme si toutes ces technologies-là étaient absolument stables sur le plan ingénierial ou stable sur le plan de leur soutenabilité, notamment je pense aux biocarburants. Donc la question, elle est là. Donc la question stratégique, ce n'est pas renoncer à l'avion à combustible fossile, c'est plutôt de penser une nouvelle stratégie et pas juste une petite tactique d'adaptation marginale pour mettre en place un modèle économique des régions qui ne dépendent plus du surtourisme, par exemple. Ça, c'est un point central. Ensuite, voilà, il y a toute la question de la bétonisation, l'urbanisation, la métropolisation qui est assez problématique avec la question des terres artificialisées. Là aussi, dans le Var, il y a une problématique traite sur la plaine du... Ils sont finalement assez faciles à renoncer, ou en tout cas à transformer sur le plan du concret.
et qui permettrait de démontrer que justement il y a une vraie, un vrai esprit d'adéquation avec les limites planétaires et avec l'urgence climatique et écologique, quoi. Donc si mais monsieur Landivar, excusez-moi de vous couper, mais vous répondez quoi à quelqu'un qui est dans l'industrie comme Corinne Bernardo, qui investit sur des machines pour justement être plus efficiente? Ça va quand même plutôt dans le bon sens, non? Oui, bien sûr, mais c'est toujours dans le bon sens, mais ce n'est pas le sens fondamental. Encore une fois, c'est techniquement... Ce n'est pas le bon sens, mais ce n'est pas le sens fondamental, il faudrait expliquer alors. Non, c'est en fait la mesure complémentaire à quelque chose qui doit être d'abord guidé par des arbitrages. C'est-à-dire, la question aujourd'hui est d'abord de penser des arbitrages le plus démocratiquement possible. Ça, c'est bien évidemment, là, on est totalement d'accord, et ça, c'est ce qu'on... Nous, on propose dans les fameux protocoles de renoncement qu'on a mis en expérimentation sur certains territoires. Et ensuite, une fois qu'on a décidé quels sont les éléments, les entités, les infrastructures, les équipements qui sont absolument essentiels aujourd'hui et lesquels sont superflus, à partir de là, on peut annexer l'innovation à des limites planétaires, etc. Le but, ce n'est pas de répondre à une demande économique. Maintenant, aujourd'hui, le vrai paradigme de cette nouvelle ère climatique, c'est de répondre à cette urgence climatique et sociale. Donc, l'innovation, si elle répond à ça, et elle répond à travers des actes très concrets suite à des arbitrages que l'on propose de faire, à ce moment-là, bien évidemment, elle est bienvenue. Donc, sur ce plan-là, elle est secondaire, je dirais. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est inutile. Corinne. Elle est secondaire. Très bien. Corinne Bernardo, vous répondez quoi? Mais depuis ce matin, on a quand même la chance d'avoir... Vous placez bien votre micro. Pardon, des témoignages de... je dirais, de bonnes intentions. On nous parle d'audace, on nous parle de nouveaux comportements, de bonnes pratiques. Mais 2030, c'est demain. Donc les décisions qu'on prend aujourd'hui, elles sont déterminantes pour les 8-10 prochaines années. Et c'est aujourd'hui que, dans une matrice de risque, on doit dire je vais m'orienter, je vais arbitrer en effet sur telle ou telle solution, parce qu'elles vont nous engager dans le très court terme, mais aussi à long terme, sur voilà, un virage qu'on va prendre, qu'on doit prendre effectivement, comme disait très bien M. Klenoff, ensemble, en concertation, en tenant compte de pluridisciplinarité, en tenant compte de tous les éléments, tous les enjeux, la mobilité, les circuits courts qu'on peut ou pas favoriser. Qu'est-ce qui va positionner une entreprise aujourd'hui? Qu'est-ce qui va la positionner sur un marché localement plutôt qu'une autre, alors que l'entreprise locale va faire des choix stratégiques, environnementaux, environnementalement corrects par rapport à une autre entreprise qui ne va pas respecter les actions face aux risques qu'on a évoqués toute la journée. Pourquoi on va choisir telle ou telle autre entreprise aussi? Le sujet, il est là pour nous. Si on va investir... Il vient des donneurs d'ordre, en fait, c'est ce que vous voulez dire. Bien sûr, et il faudra qu'on fasse la différence entre une entreprise qui s'engage dans ces actions-là et une entreprise qui ne s'engagera pas sur nos territoires ou à l'étranger à avoir la même dynamique de développement et d'innovation, parce que je reste un petit peu sur mes positions de dire que l'innovation, même si elle n'est pas que technologique, elle reste un fer de lance de ce qu'on fera dans les prochaines années. Bernard Klenoff, quand on cherche à faire venir des entreprises, effectivement, le côté attractivité, mais aussi le côté vert, ça fait partie. Je vais d'abord parler d'autre chose. Si vous voulez. De l'aéroport, puisque j'ai la chance d'être le président du conseil de surveillance de la Société des aéroports de la Côte d'Azur. Alors, la comparaison entre notre extension et Roissy n'existe pas. Aujourd'hui, ce matin, on a parlé longuement de cette volonté de choisir non pas un tourisme de masse, mais un tourisme de qualité, et effectivement de faire marche arrière. Il n'en reste pas moins vrai que l'extension qu'on imagine sur notre aéroport de Nice, dans le périmètre d'ailleurs de ce qu'est la concession aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas l'intention de traiter nos passagers, qu'ils soient touristes ou business, comme du bétail. On a besoin d'espace, on se développe, on est soutenu globalement par toutes les structures politiques et par notre ministre des Transports. Je pense que le projet d'extension est un projet qui va dans le sens naturel
de l'attractivité de notre territoire et du besoin naturel que nous avons aujourd'hui de nous déplacer les uns et les autres. Sur notre territoire, on n'a pas encore de ligne de train à grande vitesse qui nous permettrait de combler et de boucler cet arc méditerranéen qui a d'ailleurs été inscrit dans les priorités européennes. On a encore besoin de l'avion et à ce titre-là, on a besoin de traiter nos clients et nos passagers de la meilleure manière qui soit, que ce soit les compagnies aériennes ou, je vous le disais, les passagers. Donc l'extension que nous proposons et que nous allons conduire, c'est une extension qui va nous permettre d'avoir la croissance ordinaire du trafic, hors incident Covid, mais qui était sur la lancée de ce qui s'est passé jusqu'en 2019. Et je crois que aujourd'hui, on a la chance d'avoir des aéroports, que ce soit pour l'instant à Nice, à Cannes ou à Saint-Tropez, qui sont carbone neutre ou qui vont le devenir très vite. Maintenant, effectivement, il nous reste un travail important à faire sur les avions et sur les émissions des compagnies aériennes. Mais il n'en reste pas moins vrai que... Alors, je vais faire un peu de pub. Quand on a l'attractivité du territoire niçois et du territoire régional, il nous est difficile de lutter avec des endroits que personne ne veut aller voir. Alors, sur la partie innovation qui a été évoquée, je comprends ce que dit Corinne Bernardo. Nos entreprises, on les accompagne à faire, en industrie en particulier, ce que font d'autres en agriculture. Alors en agriculture, c'est plus facile à comprendre ce qu'est un circuit court, mais en industrie, on y vient. Et les investissements techniques et technologiques qu'ils font dans l'entreprise de Corinne, c'est pour être encore plus compétitif, pour avoir un écosystème qui permet de répondre aux donneurs d'ordre autour de nous et de faire du circuit court. Alors évidemment, en industrie, le circuit court pour nous niçois, c'est l'Italie, l'Espagne, la Suisse ou l'Allemagne, mais ce n'est pas la Chine, le Népal et l'Inde. Donc ce circuit court est effectivement un peu plus grand que celui qu'on imagine en agriculture, mais il va déjà dans le bon sens. Alors se dire que d'ici 2030, on aura résolu tous les problèmes environnementaux, la réponse est non. Mais moi, je n'aime pas le terme de renoncement, parce que le terme de renoncement, ça a l'air de dire aux gens, à nos concitoyens, on va vous supprimer ou vous priver de quelque chose, peut-être auquel ils aspiraient. Je préfère qu'on leur demande à quoi ils aspirent et par défaut, on saura ce qu'on peut éventuellement supprimer. Diego Landivar, est-ce que la solution est dans la low technology? Vous êtes contre la 5G, hein, vous l'avez fait un peu comprendre tout à l'heure. Je sais que vous êtes contre la 5G, contre les objets connectés. Est-ce que c'est la low technology comme il y a la slow fashion, comme il y a d'autres choses qui sont la meilleure solution de votre point de vue? En tout cas une solution importante, intéressante, effectivement, parce qu'elle repose sur une sobriété généralisée des usages, une sobriété de l'extractivisme qui est associé aux technologies, parce que, encore une fois, on peut appeler de tous nos voeux à de l'innovation plus ou moins technologique, numérique, formidable, etc. Toutes ces technologies sont en fait annexées à quelque chose de très concret qui est l'extraction de l'énergie, de l'extraction de minerais, l'extraction de terres rares, etc., etc., et qui pose des problèmes écologiques fondamentaux. Moi, je viens d'un pays qui est la Bolivie, qui est aujourd'hui un des pays les plus importants, avec des réserves les plus importantes, pardon, de lithium au monde. Bah, je peux vous dire que l'extractivisme lié au lithium pour des voitures électriques ou des innovations technologiques basées sur l'électrique libre et généralisée génère le même type de problèmes écologiques à quelques degrés près que l'extractivisme fossile, en fait. Donc, aujourd'hui, il faut faire attention à ne pas basculer sur cette idée que l'électrique va nous sauver de tous nos problèmes. En fait, la plupart du temps, on va créer d'autres problèmes ailleurs, sur d'autres secteurs, etc., etc. Donc, les low-tech, si elles sont annexées à la disponibilité des matières premières locales, et ça, c'est un changement de paradigme public très important, c'est-à-dire qu'au-delà de juste, par exemple, embaucher des PME du coin pour faire un chantier public, une rénovation, un réaménagement de tel ou tel quartier dans une ville ou dans un territoire, bah aussi, la commande publique
s'engage à ce que l'on utilise, par exemple, les matériaux qui sont disponibles, comme ce qui s'est fait, par exemple, avec une très belle piscine municipale, justement au Canada, où tous les matériaux sont de la fabrication et du recyclement, etc., du recyclage de l'eau, etc., sont des matériaux locaux et donc biodisponibles, etc. Des technologies vivantes, en somme, bah, c'est quelque chose de très intéressant. Donc, c'est vers ça qu'il faut tendre, et toujours dans la même idée, c'est-à-dire que il faut, moi, je suis d'accord pour qu'on demande aux usagers, aux citoyens, en règle générale, d'abord ce à quoi ils tiennent vraiment, quels sont les services publics essentiels, quels sont les usages et les modes de consommation, de production essentiels à leur vie, et ce à quoi ils seraient capables de renoncer. Et à partir de là, bah, on a le périmètre, on a le terrain de foot qui nous est dessiné et dans lequel les entreprises... Et vous savez, ça, c'est un langage qui n'est pas du tout uniquement un langage militant associatif. De plus en plus, nous, on a fait une enquête sur ce qu'on appelle les patrons effondrés, c'est-à-dire les top managers, les managers publics qui sont aujourd'hui vraiment en train de comprendre la situation climatique et écologique et qui, par exemple, un vice-président d'une multinationale du CAC 40 nous dit « Aujourd'hui, il faut que l'État nous dise, nous pose les limites à notre action écologique, c'est-à-dire que nous dise voilà le stock de matières premières, d'énergie fossile que vous avez. » Et ensuite, il nous a dit ça. Nous, on est des ingénieurs, on sait optimiser sous contrainte, mais aujourd'hui, on n'a pas de contrainte. Aujourd'hui, le monde actuel, depuis 70 ans, n'a pas de contrainte écologique qui est imposée. Bien évidemment, ça, c'est le rôle de l'État. Et sauf que là, encore une fois, on va me dire, ouais, mais si on contraint l'activité économique, l'entreprise, l'innovation, bah en fait, on est en train de contraindre l'esprit de base de la créativité. Non, en fait, aujourd'hui, il n'y aura pas de créativité, il n'y aura pas de bien-être si on n'assume pas une part de contrainte fondamentale. Et cette contrainte, elle doit être très formelle, elle doit être très concrète en termes de matériaux, en termes de consommation de flux, d'énergie, d'importation, de CO2 émis. Et à partir de là, une fois qu'on a posé les contraintes, on se demande quel est le tourisme que l'on veut, quelle est l'agriculture que l'on veut, quelle est l'alimentation que l'on veut, quel est l'urbanisme, quelle est la politique sportive que l'on veut, etc. Mais pas juste dire, bon, en marchant, on va voir si ça passe ou ça casse, en espérant que l'hydrogène nous sauve ou que les biocarburants nous sauvent. Ça, c'est des croyances qui ne sont pas concrètes et qui ne sont pas pragmatiques. Et là, je pense que ce n'est pas pragmatique de penser cela. Merci. C'est un sujet dont on pourrait débattre encore. Ah, Monsieur Klenoff a quand même quelque chose à dire. On peut quand même dire qu'on est 70 millions en France, on est 7 milliards dans le monde. Et je ne suis pas sûr que nous, Français, on arrive à décider pour tout le monde, même si on essaye. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous les quatre, en tout cas. Et on se retrouve dans quelques instants pour une table ronde sur les circuits courts et la bio.